Bonjour, bienvenue dans la maison Franjou. Alors, je suis aujourd'hui avec la patronne, avec la fondatrice du Festival d'Art Amatuel qui vient de produire un très beau livre, qui est donc, Jacqueline, l'histoire de ce festival. C'est l'histoire de ce festival pendant 35 ans. Et ce festival qui est né d'une idée et d'une grande amitié avec Jean-Claude Briali, perdure ma foi depuis 35 et 36 ans et j'espère que ça continuera. Et donc voilà, et merci surtout, j'ai été très heureuse de faire cette présentation hier à l'Hôtel de Paris et de remercier, et je te remercie et je remercie bien évidemment Simone Bray. Enfin, Merci de cet accueil. en tous les cas, on a vu que les gens étaient fort intéressés, puisque tu as eu un public nombreux que nous espérons retrouver au moment du démarrage du festival. Alors, Jacqueline, précisément, tu t'es beaucoup battue pour que ce festival ait lieu. C'est le seul en France. Tu m'as dit l'autre jour, ça aurait été contre toutes mes convictions qu'il n'ait pas lieu. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Contre toutes mes convictions, non, mais simplement, ce festival existe depuis 35 ans. Il tombe, cette chose atroce, cette pandémie dans le monde entier, aucun pays n'est épargné, personne n'est épargné. En France, on n'a pas été épargné. Toutes les activités économiques s'arrêtent. Tout s'arrête, en fait. Et c'est bien normal parce que les gens ont peur. C'est vrai que les services de santé ont été magnifiques pour sauver des gens. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de disparitions, dans les EHPAD notamment, dans les hôpitaux aussi. C'est vrai que cet ennemi que Patrick Chesnais qualifie, car il a eu le Covid, d'un alien qui vous envahit et qui vous laisse totalement, non seulement à plat, mais sans plus aucune vie, sans pouvoir réfléchir, d'une extrême fatigue. Donc, comme tout le monde, moi j'ai eu la chance, parce que je vote Art Amatuel d'ailleurs, de ne pas être à Paris, de ne pas pouvoir rentrer à Paris et de rester à la campagne. Quand on est enfermé pendant 2 mois et demi, même avec des amis, on se demande ce qu'on va faire quand même. Le festival, au début, disparaissait petit à petit parce qu'on ne savait pas où on allait. Moi, je suis assez sensible à cette histoire-là parce que j'ai des enfants qui sont confinés à Hong Kong et qui depuis le 20 janvier, jusqu'au mois de juin d'ailleurs, il n'y avait aucune activité scolaire, rien du tout. Donc, je suis assez sensible à cette histoire-là. Ce n'est pas une histoire, je veux dire, Oui, cette pandémie, à cette pandémie cet événement. et à ce drame. C'est plus qu'un événement Oui, parce oui. qu'on ne sait pas ni où on va, si ça va continuer, durer, pas Tout à durer, fait. etc. En tous les cas, bon, qu'est-ce qu'on fait? Je fouille les archives et je finis par écrire ce livre de table en demandant, puisque j'avais des amis qui étaient là, notamment Micheline Pelletier. Pelletier-Decaux, qui est la femme d'Alain Decaux, et qui m'a beaucoup aidé avec mon photographe Cyril Bruneau, l'ensemble des archives, à caler une histoire que j'avais déjà écrite très longuement, de 200 pages, mais à la recaler auprès de ces photographies pour que ça ait un sens. Et bien évidemment, je n'ai cessé de penser à la famille Gérard-Philippe, à Anne-Marie, Philippe, à Jérôme Garcin, à Olivier Philippe, parce que c'est leur histoire en fait. C'est l'histoire du Festival d'Art Amatuel et c'est un hommage à Gérard-Philippe. Et c'est aussi notre histoire à Jean-Claude et à moi, et maintenant à Michel Bougenard et à moi, et à l'ensemble du public et à l'ensemble des artistes, puisque plus de 1100 artistes, 150 artistes sont passés au festival. Donc, les discussions s'engagent avec Philippe Héraclès, l'éditeur du Cherche Midi. C'est une folie, je veux dire, de sortir un livre quand les imprimeries ne fonctionnent pas, quand tout le monde est en panne. Et finalement, ce qui a été absolument extraordinaire, c'est que Philippe Héraclès a dit oui, le Cherche Midi a dit oui. Mais j'ai commencé à travailler à titre de compte d'auteur, en fait, c'est-à-dire en acheter 2500 pour pouvoir les proposer aux entreprises mécènes, partenaires du Festival d'Art Amatuel et aux institutions aussi. Et là, mon bonheur, ma surprise a été immense car tous les mécènes et les partenaires, depuis le début du festival, qui existent depuis le début du festival, qui sont là, ont réagi totalement en disant on en achète 10, 50, il y en a même un qui en a acheté 300. Donc, et pour en faire cadeau, en fait,
à leurs clients, à leurs amis, pour montrer que la culture est quelque chose d'important. Donc il y avait quelque chose d'extrêmement raisonné. Je ne touche pas à droit d'auteur sur ce livre, et les droits d'auteur vont directement au festival. C'est leur mémoire aussi. Parce que c'est leur mémoire, et bien évidemment aux artistes, quand je vais voir les artistes. Bon, ensuite, petit à petit, nous étions en contact. J'étais en contact, puisque j'étais la seule à travailler pendant cette période, j'étais en contact avec la sous-préfecture de Draguignan pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, à un moment donné, on a parlé de déconfinement, comme vous vous en souvenez, vers le 11 mai ou quelque chose comme ça. Donc, si j'ai déconfiné, je demande à la préfecture, nous sommes en plein air, la sous-préfecture, nous sommes en plein air, qu'est-ce qu'on peut faire ? En 290 spectateurs. On a commencé par réfléchir à 290 spectateurs. 290 spectateurs, c'est... Vous faites peu de recettes, très, très, très honnêtement. Donc oui, parce que tout de suite dans le rouge. Puisque le festival fait 1300 places. 1200 places. 1200 places, hein. Ensuite, on est monté progressivement jusqu'à 590 places, où là, ça commençait à être un petit peu mieux. Et ensuite, là, on est aujourd'hui à 700 places. Nous sommes en plein air. Nous avons, dans ce théâtre, pris, avec la mairie de Ramatuel, avec le maire de Ramatuel, Ronan Bonneau, les services techniques, la gendarmerie, etc., présents dans les réunions qu'on a pu avoir, toutes les dispositions de sécurité. Distanciation, rentrer un par un, obligatoirement les masques. On ne quittera pas pendant le spectacle, les masques sont obligatoires, totalement. Et il est prévu dans les règlements que... une famille de 10 personnes, ils peuvent s'asseoir les uns à côté des autres. Des amis, s'ils sont 10, ils peuvent s'asseoir à côté des autres. Ou pas au-delà de 10. Et ensuite, on peut séparer une personne, les autres, un autre groupe, il y a 7, ben il y a 10, plus une séparation, plus les 7, etc. S'il y a 2, il y aura 2. Donc quand on compte 700 places et quand on fait un rapport par rapport à 1100 places, on arrive à garder les distanciations. Les ans, vous savez, les producteurs ont des places, cette année ça a été niette. Il y a forcément des invités, mais très peu, mais il y en a forcément. Les journalistes ne payent pas, par exemple, je veux dire, ils sont invités, mais il y a d'autres choses aussi. Il y a des politiques qui viennent, et il y en a, et il y en aura. On les invite, ce qui est normal, par courtoisie, tout simplement. Mais là, les partenaires payent leur place, j'insiste beaucoup là-dessus, tout en apportant des fonds, et c'est extrêmement important. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les gens ont visiblement peur de cette pandémie. Il faut dire que depuis quelques jours, comme on dit, le port du masque est obligatoire dans les magasins, dans les lieux fermés. Moi, je trouve ça formidable, parce que tout à coup, les gens réagissent. Puis s'il y en a un qui ne porte pas un masque, il va se faire lâcher. Hein, parce que... Donc il y a une reprise de conscience, je pense, que ça n'est pas fini. De ce virus qui circule. Mais, renseignement pris tout à l'heure auprès de la sous-préfecture, il y a une dizaine de cas. Donc c'est presque rien. Mais sur la presqu'île, une dizaine de cas. Aux environs, pratiquement dans le Var, il y a une dizaine de cas. Il n'y a pas, encore une fois, de cas reconnus, notés, déclarés. Enfin, c'est toujours la même chose, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui a le Covid chez lui, mais il n'a pas de fièvre, il n'a rien. Officiellement, les chiffres, c'est 10 cas. Non, c'est pas officiellement, c'est l'information qu'on me donne. Je n'ai aucune information officielle, sauf quand je demande, effectivement, aux institutions, est-ce que vous avez énormément de cas. La réponse est non, mais il y a une vraie peur. Et il y a des gens qui ne sont pas prudents. Mais j'ai regardé depuis 2-3 jours, les gens portent un petit peu de... Se ressaisissent sur les masques. Mais hier soir, je regardais quand je sortais de l'hôtel de Paris, je t'en avais fait la remarque d'ailleurs, il y avait une quinzaine de jeunes femmes et quelques garçons qui sont arrivés sans masque et vraiment très près les uns des autres. Enfin, d'une manière générale, assez peu couvert, quand même. D'une manière générale, assez peu couvert, mais bon. Mais c'est pas ça. Le fait, c'est... On sait comment ça se passe. Un virus, c'est pas la même chose qu'un microbe. Mm-hmm. Un virus craint l'humidité et la chaleur. Et
sa tâche, je veux dire. Bien évidemment, on sait que ça vient de la salive, etc. Enfin, ce qu'on sait, parce qu'on ne sait pas grand-chose. Je ne suis pas médecin et je ne me rentre pas là-dedans. Mais en tous les cas, ce que je sais, au Festival de Ramatuel, je ne dis pas que c'est peut-être les endroits les plus sécurisés qui soient, mais en tous les cas, nous, on prend toutes les dispositions, y compris tester mes équipes, d'ailleurs, bon, c'est valable, c'est un certain temps, ils sont retestés après. On est dans un endroit assez sûr. Donc je vois bien qu'il y a une faiblesse en billetterie, parce que les gens ont peur. Un bon entendeur. Mais quand je vois les gens quand même tasser sur les plages, même si je sais que les plages et les restaurants de plage, d'une manière générale, passent un produit, vous savez, sur les... Moi aussi, je fais ça dans le théâtre. Hein, sur les coussins, sur les matelas. Sur les matelas, oui, sur les coussins. Recouvre les de serviettes, etc. C'est un produit assez, assez fort que je vais utiliser dans le théâtre. Et par exemple, je vais utiliser ça pour nettoyer dans le théâtre. Et comme le virus n'est pas du tout le soleil, les coussins vont rester toute la journée, toute la nuit dans le théâtre, donc en prenant l'air. Vous savez, au début, on disait quand vous avez acheté vos légumes, laissez-les 2 heures ou 3 heures. Oui, dans le garage ou absolument. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que, et pour terminer ce propos, pourquoi je fais ce festival? Je suis totalement bénévole, premièrement. Deuxièmement, si on ne se bat pas, si on reste comme ça, ben, il ne se passe rien. Et que la situation culturelle, économique est extrêmement grave pour tous les artistes, pour beaucoup d'entreprises qui déposent des bilans, qui ferment. Mais là, aujourd'hui, la culture, elle est à genoux. Est complètement injuste. Tu parlais de 300 000 emplois perdus. Non, pas perdus. En fragilité. En fragilité, et certainement, il y a des petits festivals qui. Bon, ça donne naissance. Je voyais l'article dans Le Monde aujourd'hui. Les gens, maintenant, on commence à prendre la rue, je veux dire, c'est-à-dire à aller chanter, danser dans la rue, etc. Mais en chantant, en dansant dans la rue, on peut aussi recréer, j'imagine, des clusters. Mais tout ce qui est théâtre, tout ce qui est musée, tout ce qu'on peut imaginer, je veux dire, est en risque et en danger. Les gens sont au chômage, les techniciens ne sont pas payés, les intermittents sont au chômage, mais n'ont pas de travail. Les artistes n'ont pas de travail, ils ne vont pas sur scène. Donc là, pendant 14 jours, ils vont enfin donner ce qu'ils ont en eux, c'est-à-dire travailler, monter sur scène, certainement avec de la peur. Mais c'est important parce que je pense que ça redonne en fait de l'espoir. Parce qu'il ne faut jamais désespérer. Et moi, j'ai fait ça que dans ce seul but. En risquant, encore une fois, de perdre de l'argent, j'essaierai de récupérer comme je peux. Mais s'il vous plaît, c'est pour ça que je te remercie, venez au théâtre, vous protéger. Vous savez, vous pouvez aller dans n'importe quel café, dans n'importe quel restaurant à Saint-Tropez, le mec d'à côté, la nana d'à côté, tout à fait. COVID. Voilà. Alors justement, Jacqueline, pour donner envie à nos amis et à tous les autres de venir au festival, qui reste, malgré le Covid et les précautions, éminemment féerique, qui est un endroit qui est doux, qui est merveilleux, quel est le programme que tu as élaboré cette année? J'imagine qu'il a évolué au fil des semaines ou des mois avec ce Covid, des désistements peut-être. Est-ce que tu as un programme particulier ou veux-tu mettre l'accent sur certaines pièces? Alors, ou sur, comment as-tu conçu ce programme? Alors, d'abord, d'habitude, comme vous le savez, il y a un programme très épais de 160 pages. Là, finalement, le journal La Tribune, en fait, c'est 35 ans, a dit bon, on peut faire quelque chose ensemble. Donc, c'est pour ça qu'il y a un article sur La Tribune dans un petit cahier qu'on a fait de 16 pages qui explique tout simplement les programmes. Oui, on a eu des désistements. Souchon devait chanter cette année, Catherine Ringer aussi. Gad Elmaleh devait jouer aussi, mais il a eu le Covid. Et je devais avoir la pièce qui a obtenu tous les Molières, Nina Restruc, Torrent. En rouge, pardon. Ah oui, magnifique. Mais il a été arrêté par le Covid, mais en fait, il a eu tout petit souci de santé. Tous ces gens-là, on les retrouve l'année prochaine. On s'en réjouit. On a reprogrammé ça l'année prochaine. Donc ensuite, le classique, c'était assez simple, parce qu'on sait qu'il n'y a pas beaucoup de monde au classique. Donc il y a de l'espace et aucune crainte.
il y aura 150, 200, 300 personnes sur un théâtre qui est 1100 dans le classique. C'est pas mon souci, le classique. Vraiment, c'est pas mon souci. Là, oui, on a Marie-Joseph Jules, PPDA et Jean-Philippe Collard. Et moi, j'ai souhaité avoir des jeunes, c'est-à-dire les jeunes sopranos, d'ailleurs, qui sont dans la Fondation Royaumont, qui est une fondation du musée d'Orsay et de l'abbaye de Royaumont. Parce qu'il faut qu'on amène des jeunes, et j'aimerais avoir des masterclass, enfin bon, etc. Quand on a fait le programme avec Michel Boujna, on s'est dit quand même, il nous faut un comique. Donc, Jarry a accepté de venir. Il y a des places pour Jarry. Ça, c'est tout à fait clair. Pierre Palmade aussi. Public de jeunes. Ouais. Ensuite, Pierre nous a téléphoné en disant, moi, je veux venir parce que j'ai mes anciens quêtes. Donc, ils ont tous été volontaires pour venir. Et ainsi de suite, je veux dire que ce soit opéra locaux, qui ont été très contrôlés sur l'histoire de Covid parce qu'ils se touchent vraiment sur scène, que ce soit, et pendant ce temps-là, Simone Veil. Et puis, Michel a dit, moi, puisque Catherine Ringer a annulé, ce qui n'a rien à voir, parce que c'est une chanteuse, il dit, moi, je peux très bien jouer à cette adresse avec Charles Berlin, qui est à Toulon. Et puis là-dessus, la région et Renaud Muselier, toute la région, Estrosi, Muselier, Hubert Falco, tout ça, ont été extraordinaires. Ils ont dit, ce serait bien d'avoir une petite pièce, juste une petite pièce en première partie, qui s'appelle Les Petites Soumeuses, ça tombait bien. Je fuis les hélicos, je pense qu'on devrait arrêter. Mais ils te poursuivent. Arrêter un peu les hélicos ici, ça fait trop de bruit, c'est dommage. On en parlera une autre fois. Continuons sur Abdel El Malik. Abdel Malik, je le remercie beaucoup parce que c'est un artiste formidable. Et à travers Abdel Malik, à travers ce que je disais hier soir, et inconnu à cette adresse, et également à travers, et pendant ce temps, Simone Veil. On est un festival engagé, je veux dire, quelque part, pour lutter contre le racisme, l'antisémitisme, et puis aussi, je veux dire, pour l'égalité des femmes et pour montrer à quel point dans cette pièce et pendant ce temps Simone Veil, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, il y a juste une entente à avoir et de travailler ensemble. Donc, si on peut passer des petits messages comme ça, tout à fait. Tant mieux. Alors, Jacqueline, il y avait un petit souci, puisque dans le charme du festival de Ramatuelle, il y a les dîners post-festival auquel les gens tiennent beaucoup. Alors cette année, comment ça va se passer de ce côté-là? Alors pour éviter trop de soucis, pas de dîner, malheureusement, à la Serena. Mais Madame Simone Dré m'a dit l'année prochaine, vous êtes à Serena. J'espère qu'il n'y aura pas de Covid, parce que là, vraiment, on va s'arracher les cheveux. Et ce sera une grande fête sur la plage Serena. Les déjeuners se passent à la maison. J'ai quelques dîners déjeuners au Baou, puisque c'est à côté là où logent les artistes. Et puis, il y a des mécènes formidables, comme Nathalie et Paul Vranken et Champagne Pommery, vous avez l'honneur d'être administratrice d'ailleurs, ouvrent leur maison. Donc on pourra faire 50-60 couverts. Ici, je peux faire 50-60 couverts distanciés, qui permettent, je veux dire, d'abord aux artistes de venir déjeuner ou dîner, enfin ou les deux, qui permettent aux techniciens aussi de se rencontrer, toutes les équipes, je change rien à ça. Et puis il y a quelques autres amis, les terrassous à côté, enfin qui sont des voisins, qui disent bon, venez déjeuner, venez dîner. Donc voilà. Ton fidèle Tricherie sera au fourneau comme d'habitude. Alors mon chef, Tricherie, plus deux autres, sont au fourneau dans un garage prêté par ses amis, où on a dû brancher tout ce qui est nécessaire pour faire la cuisine, du chaud, du froid, etc. Et préparer des repas. Donc on a gardé ça. Et puis les équipes, on va dans tous les restaurants de Ramatuelle, etc. On ne va pas beaucoup à Saint-Tropez parce que c'est vraiment trop loin. Sauf le dernier soir, c'est assez près de Saint-Tropez,
où Félicia de la plage Tahiti, on fera un dîner, enfin on fera un buffet plus exactement, de 170 personnes, parce qu'il y a de l'espace, et donc voilà. Alors Jacqueline, concrètement, pour prendre des places au Festival de Ramatuel cette année, comment fait-on ? Alors on a modifié un petit peu les choses cet après-midi. D'abord il faut appeler la billetterie. On appelle la billetterie au 04 94 79 50. Nous avons rouvert aujourd'hui le site internet de réservation cet après-midi à 16h. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris l'habitude, je veux dire, de réserver sur le site et qui ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas réserver sur le site. La réponse est simple. On est obligé, nous sommes obligés de les avoir au téléphone. Donc, quand quelqu'un réserve sur le site en disant « je voudrais 2 places, je voudrais 4 places, je voudrais 10 places », très bien, nous gérons ces billets, mais ils n'ont pas la possibilité, je veux dire, de les gérer eux-mêmes leur place. Donc, nous, on gère, après leur coup de fil, les distanciations. Okay. Monsieur Machin vient avec 10 personnes, il est au rangé de la place 23 Machin, Madame Machin, elle vient avec 5 personnes et ses enfants, elle sera à 1 mètre de distance de ça. Sachant qu'une rangée, enfin toutes les rangées n'ont pas la même distance. Les rangées vont de 50 à 70 places. Mm-hmm. Et par exemple, je prends la rangée de la mairie de Ramatuelle, à qui nous donnons chaque année 50 places gratuites. Il faut savoir que quand on paye donne une place gratuite, ce qui est important à savoir, on paye une taxe, nous. Chaque gratuité. De 5%, c'est simple. Donc, le prix du billet. Donc, la mairie a 50 places. J'ai dit à Roland Baudot, 35 places cette année. Par contre, si j'ai de la place, par exemple, à la musique classique, on peut reprendre 15, 20, 30 places s'ils veulent. Il n'y a aucun problème. Oui, c'est l'adaptation au quotidien. Donc, ce rangé, qui est un rang très problématique, qui a 50 places. Impossible de 50 places. Donc dans ce rangé, il y aura 35 places, parfois 20, parfois 24, avec les distances respectées et respectables. Ensuite, il y a un rang en dessous qu'on va peut-être vider pour le déplacer ailleurs. Donc comme ça, parce que c'était effectivement la grosse inquiétude de la mairie, ce que je comprends. Mais encore une fois, je répète, à chaque fois je tremble, j'ai une question. J'appelle monsieur le sous-préfet de Draguignan et je dis, on attendait, que disent les textes? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Donc tout à l'heure encore, 700 places c'est bon, le plan est accepté par la préfecture, les distanciations c'est 1 mètre mais max 10, donc EDF par exemple ils viennent, ils sont 2 fois 10, mais à 1 mètre de distance. C'est ça, il y a deux groupes. Donc, voilà. Donc moi si je n'atteins pas ce que je souhaite, on va perdre du fric. Alors, bien sûr que je peux, mais là, à 700, je suis à 0,0. Donc, moi, je voudrais éviter quand même de perdre de l'argent, parce que, et une règle aussi, si vous perdez, on ne perd pas d'argent en ce moment, on est juste à l'école. Si vous perdez de l'argent 3 fois de suite, ça, on commence à nous faire des gros yeux, l'institution. Je n'ai pas le droit non plus de gagner de l'argent dans une association. Je n'ai pas le droit de gagner parce que si je gagne de l'argent dans une association, pourquoi est-ce que l'État m'apporterait des subventions d'équilibre? Pourquoi est-ce qu'un partenaire apporterait une subvention d'équilibre, paye ses places et c'est tout? Donc tout ça est toujours un petit peu compliqué, mais c'est pas facile, c'est pas facile un festival. Et enfin, je dirais, si nous réussissons ça, et je pense qu'il y a des producteurs comme Bernard Murat qui vont s'exprimer, il y a des gens qu'il faut qu'ils s'expriment, ces gens-là. Oui, qui est un habitué de la première heure, non ? Non, mais oui, qui est un habitué, mais qui s'exprime, parce que le problème aujourd'hui, le théâtre fermé, quand est-ce qu'on va rouvrir les théâtres ? Avec quelle distanciation ? Il y a des gens qui font des vraies faillites. Tout à fait. Et en plus, il y a des tournées qui se sont arrêtées. Enfin, tout à l'heure, j'ai eu à des patrons, je veux dire, qui s'occupent de beaucoup de théâtres parisiens. Il me dit, les tournées, rien. Il n'y a plus rien. Donc, c'est ça qui est catastrophique. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, redonner espoir avec toute la prudence nécessaire. Et il faut, Agnès, je te conseille,
conseils, il faut faire parler les artistes. Avec plaisir. Il faut faire on les attend avec impatience. Il faut faire parler les metteurs en scène, mm-hmm. il faut faire parler des producteurs, certainement avoir un rendez-vous avec Bernard Murat. Mais l'État, que peut dire l'État là-dessus? Mais ils sont comme nous. Donc quand le président de la République dit « je vous donne une réponse à telle date », ou le Premier ministre qui m'a l'air d'un homme tout à fait sage, c'est vrai qu'il ne peut pas dire « allez, hop, on ouvre tout et tout recommence et c'est terminé ». Donc parce qu'on avance sur… Oui, on avance. Je ne suis pas médecin. Hein. Non, mais on n'avance pas au jour le jour, mais enfin quasiment. On avance d'abord surtout pour éviter qu'il y ait des dégâts de santé. Et puis ensuite, il faut que les gens retournent travailler. Parce que c'est un vrai sujet, le travail. Je dis juste un mot là-dessus. Le travail à domicile est un vrai sujet par rapport au travail en entreprise. C'est un vrai sujet. Parce que quand vous travaillez chez vous, vous pouvez travailler beaucoup plus. Si vous exact. Travaillez au bureau, c'est tout à fait exact. Vous pouvez travailler beaucoup moins. Mais on se coupe d'une chose essentielle qui est le contact social. Et on a besoin d'aller boire un coup, fumer une cigarette, je ne dirais pas ça, parce que je suis contre fumer des cigarettes, il faut fumer des cigarettes, vous posez. Mais au moins, il y a cet échange de voix, d'yeux, de voir. Il y a du corps, on va dire, et pas que de l'écran. Oui, il n'y a pas que de l'écran, et puis oui. c'est pas une bonne chose, et ça coupe beaucoup de relations sociales. Uh-huh. Et je pense qu'il y a des gens qui ont perdu, très sincèrement, l'envie de travailler collectivement ou en communauté. Et le travail, c'est quelque chose, je veux dire, qui est essentiel dans la vie, pas tellement pour gagner de l'argent, je veux dire. Non, c'est fondateur. Fondateur dans une société, vraiment. Et les réseaux sociaux, dont on se sert, puisque tu es là, la preuve que tu es là, mais on a combattu, et même dans le livre que j'ai écrit, un petit peu les réseaux sociaux aussi. Parce que d'écrire en style télégraphique. On n'est pas obligé dans les réseaux sociaux. Pas dans les réseaux sociaux. Ton ami Édouard Baer n'écrit pas en style télégraphique. Non, il n'écrit pas en style télégraphique, c'est vrai. Édouard Baer est très bien d'ailleurs. Voilà, exactement. Je l'aime beaucoup. Oui. Mais quand on tweet, par exemple, on a des petites phrases. Plus vous réduisez votre expression orale ou écrite, plus vous réduisez votre pensée. C'est-à-dire qu'on finit par ne plus savoir faire de démonstration sur un sujet. Je vais dans ton sens en conseillant la lecture de ce livre qui, précisément par la qualité de sa langue, qui est porteuse de la qualité des intervenants, d'ailleurs, que ce soit un Jean Marais, que ce soit un Gérard Philippe, une Anne Philippe, que ce soit une Juliette Gréco, continue à ouvrir la pensée. C'est-à-dire 35 ans plus tard, retraverser ce livre, moi c'est ce qui m'a beaucoup plu, donc je vous le conseille vivement, ça vous préparera au festival, c'est ça. C'est la qualité de la langue est directement en lien avec la qualité de la pensée. Voilà. Donc vous lisez le livre, vous venez au théâtre, et si vous êtes sage, vous aurez un festival encore meilleur l'année prochaine. En tous les cas, soutenir Jacqueline, c'est aussi t'aider c'est pas, à... C'est pas me soutenir, c'est soutenir une association qui porte un festival. Me soutenir, soutenir la culture, c'est soutenir le village, la commune, le théâtre, la presqu'île, c'est faire preuve... d'un peu de sens, collectif, de sens culturel et de sens économique, hein, parce que tout à fait. Et même j'allais dire de sens politique. Vous avez un pays qui n'a plus de culture, absolument, devient une dictature. Donc on n'a qu'à voir d'ailleurs, hein. Absolument, on a qu'à y avoir Jacqueline ces temps-ci, les actes de barbarie commis ici et là pendant cette période d'ailleurs, ou même précédemment. C'est-à-dire que remettre de la culture au centre du village, au milieu du village, effectivement. Permettre de... Oui, parce que ça calme. Alors là, il ne faut pas tout confondre, parce que des manifestations qui ont lieu parce que les gens n'ont pas de boulot, n'ont pas réfléchi, ça il faut faire très attention, mais des violences verbales contre les juifs, contre les blacks, contre les homos, contre les chauffeurs de bus, contre les flics. Il peut y avoir des bons flics et des mauvais flics, comme il y a des bons médecins et des mauvais médecins, comme il y a des bonnes personnes. C'est pas parce qu'on a l'impunité quand on est gendarme, ceci ou cela. Mais je crois qu'il faut redonner raison
tout en étant fou, tout en rêvant et en faisant des choses, mais redonner raison à des choses. Moi, pourquoi j'arrive à dire ça, j'ai pas 20 ans, j'ai quand même, une certaine vie derrière moi, et en tous les cas, c'est ce que je perçois en regardant, en mettant juste un rétroviseur un petit peu sur ce qui se passe, mais en allant de l'avant, c'est que c'est ça qui nous fait avancer, quoi. Donc, les jeunes, travailler en commun, etc., etc. Il n'y a pas que le fric, hein. Il y a l'argent pour être équilibré, mais aussi le désir de travailler et d'être heureux dans le travail. Se dire, voilà, toi, tu es contente, tu travailles, tu es contente, toi aussi, tu es contente, tu travailles. Ce n'est pas très compliqué. D'ailleurs, Jacqueline, pour conclure, qu'est-ce que tu pourrais me dire, toi qui as eu une vie multiple de femmes chefs d'entreprise, de femmes engagées, de femmes de culture, donc, ce rêve, qu'est-ce que ce théâtre, ce festival, ce milieu culturel qui n'était pas le tien au départ, t'a apporté? La culture, c'est quelque chose qui depuis toujours, je veux dire, mais c'est-à-dire acter un festival, non, oui. C'est pas mon métier. C'était pas mon métier. J'ai donc appris ce métier sur le tas. Et puis je pense qu'on peut apprendre tout au long de sa vie des métiers. J'ai fait plusieurs métiers quelque part tout en restant dans la même famille, que ce soit communication, marketing, lobby ou ressources humaines. À chaque fois j'ai appris. J'ai parfois pris des postes quand je suis nommée administratrice d'un musée. Ça se passe dans un musée quand même, ça fonctionne. Quand je deviens administrateur des Champagnes Pauvry, il faut quand même que je m'occupe de savoir ce qui se passe. Goûter aussi, non? Où je suis, ce qui se passe dans la vigne, pas forcément boire d'ailleurs, mais au moins arriver à expliquer quelque chose. Je suis dans un comité d'audit, au moins comprendre ce qui se passe dans un comité d'audit. Bon. Donc j'ai des trucs sur le sujet du rayonnement français à l'international. Savoir repérer, je veux dire, qu'est-ce qui fait rayonner la France. Donc, à chaque fois dans ma vie, j'ai toujours eu envie d'apprendre, en fait. Donc, je suis partie parfois de zéro. Quand j'ai créé un festival, mais c'est pas que je ne savais pas quelle gueule avait un artiste ou quelle gueule avait un technicien. Mais, comme tout le monde, j'ai connu Nicole Calfon au lycée, par exemple. Comme tout le monde, comme beaucoup de gens, il y avait un homme super, d'une beauté extraordinaire, au lycée Victor Duruy, qui venait chercher sa fille, c'était Jean Pia, et Dominique Pia est une amie de longue date. Donc, il y a un moment donné, il y a des petits cailloux, comme ça, on ne sait pas pourquoi on s'y attache, et ça démarre. Donc, le problème, le sujet, c'est vraiment, je crois, je crois ma vie sont des rencontres, à qui je dois tout. Eh bien, exactement. Jacqueline, en tous les cas, nous sommes nous-mêmes extrêmement contents de t'avoir rencontré, croisé sur ce chemin de Ramatuelle, et nous allons te retrouver, j'espère vous aussi, dès le 28 juillet dans le magnifique théâtre de Ramatuelle. À très bientôt. Merci Jacqueline. Merci beaucoup.